parquet de grains séchés avec de la mousse. Fait chier le chef hop en la même occasion. Non mais je stabilise avec ça aussi. Moi je préfère les cartes des gens, comme tu vas mettre. À gauche c'est un café et à droite c'était un picon. Un picon bière. Juste avant les repas, il faudrait que tu arrives à revenir en arrière, tout ce que je veux dire. Parce qu'elle va repasser devant toi, ouais, voilà, c'est ça. Tu... Parce que le plancher qui grince, que la lumière ça va pas, y a une mouche qui pète, qu'il y a plein de trucs et qu'on doit tout refaire à chaque instant. Et c'est très difficile de couper ça, c'est-à-dire on joue énervé, d'un seul coup on nous dit couper, et puis t'es là, genre oui, et puis bon bah tu reprends, d'accord. Et c'est pas facile. Pour Sophie, ouais, non, c'est avoir le double rôle comme ça, réalisatrice et comédienne, c'est pas facile. Parce qu'il y a un côté technique, comment on va cadrer, comment elle imagine les scènes, et après trouver le personnage en même temps à côté, c'est pas facile. Donc chapeau. Sophie, elle fait costumière, maquilleuse, redécoratrice, accessoiriste. Productrice, ouais. Elle va se calmer. Elle aura pas le choix. Elle va tomber sinon. Merci, justement. Je cuisine. Bon, alors. Ça va très très bien se passer. Donc, au début, on avait un peu de mal au niveau de la technique, tout ça, pour essayer de se mettre en place. On a trouvé une espèce de dynamique qui fait que. Bah, les gens s'entendent bien, tout le monde y met du sien et du coup je pense que ça va bien se passer. Ok, alors voilà, c'est cette ligne. Ok, je pourrais essuyer. Ce qui s'est fait hier sans vraiment l'avoir vu, c'est assez compliqué. Nous, on a été bien dirigés. Sophie veut exactement, c'est exactement ce qu'elle veut. Voilà, j'ai apprécié travailler avec Margot, avec les autres d'une manière générale. Tout le monde s'investit beaucoup. C'est ce que je pressentais avant le tournage. Ça se confirme là sur le tournage, donc c'est très positif et j'ai hâte de voir la suite. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. On a toujours un idéal, on se dit que ça va bien se passer, et puis mine de rien, c'est la surprise, quoi. Et en fait, personnellement, moi, je suis très agréablement surprise, en fait, parce qu'on fait un boulot vraiment formidable. Je vais pas aller jusqu'à dire que ça se rapproche de la qualité professionnelle, parce que je vois déjà les professionnels se marrer, mais
pour un premier court-métrage, on s'y prend pas comme des manches, hein, je trouve. Franchement, ça va. Kaoru, c'est notre gueulante. Hein. C'est notre chiante de service. Hein. Qui, grâce à elle, il y a tout qui est dans la boîte tous les soirs. Hein. Et on est tous très contents. Non mais ça va, en fait, tout le monde suit mon planning. Quand je fais des erreurs, personne ne me relève, ça c'est cool. Juste toi, j'en fais plein, en fait, personne ne remarque parce que tellement on le gueule, mais... Ça fallait pas lui dire tout de suite, en fait. Genre, c'est bien, t'as dit. Ce matin, juste de recaler des plans, c'était hyper cool, tu vois, c'est des choses que j'ai fait comme... voilà. Ce qui est bien sur ce moment, en même temps, c'est que Sophie est contente, on est content. Ah oui, moi, je, voilà. Y a pas de problème. Il n'y a pas de réfléchis pas, on se dit pas, elle est contente, ok. Ouais. Ok, on est content. C'est ouais. Un trio assez parfait, moi, je trouve. Ça marche bien, ça marche bien. Ouais, genre hyper calme, qui prend tout sur lui. Oui, Caro, oui, d'accord, on fait comme ça. J'aime c'est mon espace-temps, moi, je gère, moi, je ne vois très pas le temps passer. Très diplomate, quand même. C'est toi qui me dis, là, il nous reste une heure, ok. Ok. Okay. Comment on fait, ok. Il nous a fait un truc quand même de ouf. J'ai fait, ouais, t'as dit, là, ça va juste pas être possible au niveau des plans. Coup de Caro, je t'ai fait un plan en trois. Trois plans en un. Trois plans en un. Sinon, je t'aurais dit, ouais. Trois plans en un. Et voilà, donc, genre là. Et avec tout dedans, quoi. Très chouette ambiance sur le tournage. De quoi s'inspirer aussi pour le rôle, dans le sérieux, dans la rigueur et puis dans la pression qui monte. Ça donne pas mal aussi de billes au personnage et à ce qui s'en découle. Voilà pour l'ambiance du tournage, vraiment chouette, belle équipe, très, très dynamique, tout ça. Et puis ça permet de donner aussi un peu de matière, ce personnage un peu là, voilà, qui rentre dans ce délire où il a à la fois le côté très, très pro, mais qui devient à certains moments un petit peu malsain. Thank you.
actuelle, en même temps glauque et malsaine. Justement d'ailleurs autour de mon personnage et celui de Philippe, on se sent hyper glauque, hyper dérangeant quelque part. Avec ces personnages un peu cassés par la vie. Ça montre bien en fait la différence profonde entre le strass et les paillettes qu'on nous présente et la réalité des choses qui est beaucoup moins drôle. Sérieuse comme ça, et puis une intrigue originale. C'est que tout le reste de l'équipe qui sont des gens complètement investis. Intelligemment écrit, qui n'est pas une description critique de la société. J'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil. Et je pense que Sophie a écrit ça comme une évidence. Pas parce qu'elle voulait décrire la société, mais parce que je pense que c'est son avis profondément. Et il n'y a pas des métaphores parce que, ah, c'est beau une métaphore. Il n'y a pas une intention parce qu'il faut avoir une intention. Je pense qu'elle a fait un film, elle aurait pu faire autre chose, elle aurait dit la même chose avec, je pense, la même intensité, profondeur, sensibilité, quel que soit le mot. L'ensemble. À profil. L'ensemble profil, que ce soit du fixe, soit du flottement. Mais de manière générale, ce serait du fixe. C'est plutôt l'idée que la caméra, elle reste droite, elle ne bouge pas. Non, elle reste non, droite, mais oui, elle ferait un mouvement ouais. Comme ça. Il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour les Il n'y a pas de problème. Ça. Et il y a du champ entre à chaque fois, il faudra prendre et la valeur Axel, puis la valeur Lucie, etc. C'est normal, t'as une tache sur le cul. Oui, c'est normal que j'ai une tache sur le cul.
J'aurais été filmé sous toutes les coutures avec la comédie. Mais ouais. Cette double bonne expérience de pouvoir jouer dans un petit court-métrage d'une amie et en plus de passer de l'autre côté du miroir derrière le comptoir du bar où je suis régulièrement client, donc c'était dans tous les cas très sympa. Donc bon succès pour le court-métrage et venez nous voir. J'ai un petit peu modifié le cadre pour la plupart. C'est bon. C'est de l'ordre de l'utopie. Et tu pourras en avoir absolument aucun. Parce que l'utopie, c'est pas possible. C'est du rêve, c'est ce que tu as dans ton esprit. Mais crois-moi que quand tu arrives à avoir dans le champ un cadrage avec la lumière, avec l'effet voulu, et où en fait ça donne exactement l'image que tu avais dans ta tête, c'est juste, c'est jouissif, t'as le frisson, quoi. Et franchement, il y en a plusieurs. Moi j'étais partie avec l'idée, il y aura zéro plan qui ressemblera à ça. Et là, il y en a 8-10, je veux dire, c'est au-delà de toutes mes espérances, et avec une qualité, une lumière. C'était un scénario avec plein de ressources, j'espère qu'il va vraiment fructifier pendant des festivals. Il a un très grand potentiel, j'ai rencontré une superbe équipe, je suis hyper content d'avoir participé à ce projet, et j'attends pour la prochaine. Ça marche. Et là, il faut que tu tires vers le volet, vers mon robe. Thank you.
Je suis arrivé assez tard parce que je suis arrivé pour le dernier jour, quasiment le dernier jour parce que demain il y a encore une petite bribe, mais on va dire que c'est quasiment la dernière scène. Donc moi j'ai vu l'équipe un peu sur le tard et en tout cas ça a été une belle aventure et puis une journée on va dire assez intense où on a eu beaucoup de petits imprévus, les trains, les camions, la pluie. On a jonglé avec ça, mais bon, on a réussi à passer entre les gouttes. C'est-à-dire que vraiment, on enregistre entre les gouttes, mais c'était drôle à faire. Belle équipe et je ne regrette pas. C'était une première fois pour moi, donc j'étais assez nerveuse en fait avant de commencer le tournage. J'étais pas sûre d'en être capable. Sophie, elle a dit que je l'étais, donc je l'ai fait. Et ma première scène, c'était mercredi dernier, il y a 5 jours. C'était donc une scène de dispute et j'ai commencé par ça. Alors c'est sûr qu'on m'a lancé dedans, j'avais pas le choix, donc c'était assez intense. Mais finalement, ça s'est bien passé, moi j'ai trouvé, donc j'étais plutôt contente. L'ambiance a été très bonne aujourd'hui aussi, on a quand même bien rigolé, donc c'était chouette. Et ma scène d'aujourd'hui, donc de l'interview, c'était vraiment chouette à tourner et Loïc Guingamp était juste parfait dans le rôle de l'intervieweur. Crache très haut alors. Bienvenue dans ce navire qui prend l'eau.